On va faire la news de la semaine. Yes. Parce que Quentin et Pierre aussi, et puis Cyril, toutes les semaines, je parle de news un petit peu flinguées sur les sites féminins. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Marie-Claire qui nous apprend à ne pas commettre les 10 erreurs que l'on peut commettre à 30 ans. Parce qu'il faut le savoir, quand on a 30 ans, et ben on fait des erreurs et on ne le sait pas. Et ben heureusement que Marie-Claire est là pour nous dire de ne pas faire ces erreurs, sinon on serait bien désappointés. Voilà. À votre avis, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on a 30 ans sexuellement? Genre le truc qu'il ne faut pas faire. Demander les 06 aux filles de but en blanc. Ah non, quand t'es en couple. Alors t'es en couple. Ah, quand t'es en couple, péter au lit. Aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, effectivement. Très bonne réponse. J'ai l'impression d'être dans. C'est vrai. Une famille en or. C'est une famille en or. Tu sais, les trucs qui vont se retourner derrière moi. Voilà. Céder aux sirènes de l'infidélité, pardon. C'était le numéro 6. Effectivement, je vais les barrer au fur et à mesure. Parce que c'est hyper important. D'accord. Toi, tu disais péter au lit. Bah non, ça peut être très très drôle. Ne pas faire l'amour devant les enfants. Alors, j'ai envie de dire oui. Négliger sa vie sexuelle après la naissance de son premier enfant. Ah. Et c'est vrai que c'est une erreur à pas faire. Des fois, on est trop focus sur le gamin et on oublie sa vie sexuelle. Ça te fait peur d'être parent, toi, Cyril? Pas spécialement. Je pense pas trop en ce moment, pour être honnête. Mais non, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Non. Moi, j'y pense toujours pas. À 48 ans, j'y pense toujours pas. C'est vrai, ben, tu vois, tranquillou. À votre avis, les 10 erreurs que l'on peut commettre à 30 ans, d'après Marie-Claire, quand on est en couple et qu'il faut pas faire parce que sinon, c'est con, t'as foiré ta vie. Bah, choper une AST, non? Non, pas choper une AST. Quand t'es en couple. Quand t'es en couple. Ouais. Arrêtez de dire des mots doux. Ah non, 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 y a pas ça. Non, non. Alors, je vais vous en donner un. Faire ça que la lumière éteinte. Non plus, mais je vais vous aider parce que ça va peut-être vous guider. Laissez la routine s'installer. C'est nul de laisser la routine s'installer, franchement. C'est complètement nul. Ouais, ouais, c'est complètement nul. Genre aller aux toilettes sans fermer la porte, ce genre de choses. Non, il n'y a pas ça. Mais ça, c'est pas qu'à 30 ans, en fait, concrètement. Ouais, mais c'est à 30 ans, c'est Marie-Claire qui le dit. Ouais, tu vois. Bon, d'accord, ok. À 25 ans, c'est bon. À 45 ans, à 25, 30 ans, c'est de la merde totale. Faut pas faire ça, les gens. Ne pas faire des nudes à visage découvert. Oui, c'est vrai, il ne faut pas faire des nudes à visage découvert, sauf si vous avez vraiment, vraiment, vraiment confiance en la personne. Draguer les copines de sa femme, on en vient à ce qu'on disait à l'infidélité, bah, c'est pas cool. Non, je vais vous dire. S'inquiéter quand on n'a plus de plaisir. Il ne faut pas s'inquiéter quand on a. C'est Marie-Claire, des fois, ils ont des propos incohérents, tu sais. Faut pas s'inquiéter. T'inquiète pas. Tu sais pas, c'est pas grave. Donc je barre. T'es malheureux, t'as pas de plaisir, t'inquiète pas. Je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Faire l'amour, la tête ailleurs. Ouais. La tête dans le frigo, la tête dans le frigo, la tête dans le cul. Bah oui, il y a plus de place. Ouais, il y a beaucoup de monde déjà dans le cul. Non, effectivement, si tu penses au boulot pendant que tu fais l'amour. Ta liste de courses. Ou... La peinture du plafond, tout ouais, ça. Exactement. Ah merde, encore voilà. Une fuite. Ouais. Bon, ok. Donc ça c'est voilà, faut pas. Faut pas faire. Non, faut pas faire l'amour la tête ailleurs, nous dit Marie-Claire. C'est important, mais seulement quand on a 30 ans. Quand t'as 40 ans, faire l'amour, tu peux penser à ta maîtresse, et ben c'est bon, ça passe. Ne pas accorder d'importance au clitoris. Ah bah oui. Voilà. Ça c'est une erreur à pas faire quand on a 30 ans, c'est pas. Tu vois, à 29 ans, tu peux encore une fois le faire. 30 ans, 30 ans, ça passe. Les femmes deviennent agressives quand on s'occupe plus de leur clitoris. C'est donc, toi, Cyril, le clitoris, dangereux. T'as encore 8 ans avant de t'en occuper. Okay, tu vois, mon gars. Ouais, voilà. J'en profite alors. Ouais. T'en penses quoi, toi, Pierre? Le clitoris. Non, mais t'as 24 ans. Le clitoris ouais. Avant 30 ans, on s'en fout. Il a oublié. Je rétablis la vérité parce que. En disant, c'était au début. Pierre. Moi, à 16 ans, je savais déjà m'occuper d'un clitoris. Ouais, putain, il est comme ça, lui. Il est comme bah, ça. Il a une mère très. Non, je... Trop, putain. Oh la vache. Tu fais des vannes à la Joseph, maintenant. Là, je crois que. Tu fais des vannes c'est à la Joseph. Du tout. C'est horrible. Je fais pas des vannes comme ça, en plus. Non, c'est pire. J'ai mon propre style. Super. Oui, t'as ton style. Bah, tout à fait. Dans les erreurs à pas faire quand on a 30 ans, d'après Marie-Claire, rechercher la perfection à tout prix. Donc contentez-vous du bon. Non, je faut juste on dirait la performance normalement. Les gens normaux disent la perfection, c'est bizarre. On a baisé normal, bon, tu vois, t'es contente. Ah, t'as vu, regarde. Voilà, ma position est ouais, parfaite. T'as vu cet angle là, cette cambreur. Oh là là. Ce coup de rein incroyable. Et mes fesses, tu disais mes fesses. C'est ça, exactement. Simuler l'orgasme, c'est pas bien. C'est non, une ah, à pas non faire alors ça faut pas. C'est avant, d'avoir, oui. T'as déjà simulé, toi, Pierre? Est-ce que j'ai déjà simulé? Ouais. Non. Cyril, t'as déjà fait semblant de « je kiffe », en fait, non, et vivement que je jouisse, que ça se termine. Ça t'est déjà arrivé, d'accord, très bien. Non.
Peut-être, non, je n'en ouais. spécialement quand même, non, ça va, j'ai. Non, ça va. Ou alors, quand on a le skate de Bigard, en fait, t'as déjà joué, mais tu fais comme si t'avais pas joué encore, tu sais. La technique de Jean-Marie Bigard. Tu continues encore un peu. Ouais, je l'avoue. Tu continues comme si de rien n'était, tu vois. C'est ça, t'es ouais. tranquillou. Est-ce que ça compte pour de la simulation, ça? Un peu. Bah non, c'est de l'omission, ça marche. L'omission, ça, c'est pas... Mais on l'a tous un peu fait déjà, ça, non? Non, Wag de l'omission. Bah on continue, quoi. Wag de l'omission, quoi. À ce temps-là, ça mange pas. Ça mange pas de pain. Quentin, t'as déjà simulé, toi? Oui, ça m'est arrivé, ouais. Joe? Oui. C'est vrai? Bah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Pour, ah pas, oui. pour, ne, pas, alors, pour ne pas vexer, plutôt. Oui. Ouais. Tout à fait. T'as déjà simulé, Flo? Jamais. C'est vrai? Ouais. Ah, putain. C'est cool. Allez, on termine ce... T'as déjà simulé, Benjamin? Non, jamais. Voilà. Oh, le menteur, comment ça se voit quand tu mens, toi? T'es pas un bon menteur, tu sais ça? Non, mais j'ai... Non, jamais, sans regarder dans les yeux comme ça. Regarde-moi, Joseph. Ouais. Je n'ai jamais simulé. Ah, oh, ça se voit que tu mens. Ouais. Non, je te jure, la façon dont t'as levé tes sourcils. Non. Tu me crois ou pas, Flo? Moi, je te crois. Ah, bah merci. Surtout, se résigner face aux rapports douloureux. Bah, faut pas te résigner quand t'as des rapports douloureux à 30 ans. Parce que c'est normal, il faut pas s'inquiéter. T'as plus de plaisir, ça fait mal, mais t'inquiète pas. Non, justement, il faut pas se résigner. Non, faut pas. Il faut prendre le taureau par les cornes, tu vois. Non, faut s'inquiéter pour le coup. Ce n'est pas une fatalité. Donc, ah oui, d'accord. Ce n'est pas une fatalité, c'est ce que nous dit Marie-Claire. Oui, mais c'est ça, ne pas se résigner, ça veut dire, bah, vas-y, continue, on s'en fout, c'est normal d'avoir du... Et puis enfin, j'en peux plus de cette news, faut la terminer. Comparer votre vie sexuelle avec celle de vos amis. Bah ouais, c'est pas un truc à faire. Hein, quand on la compare avec celle de qui? Des gens qu'on aime pas? Et bah tu ne compares pas. De nos ennemis. J'appelle mon ennemi, je fais ta vie sexuelle. Avec celle de Kim Kardashian. Ouais, voilà. Dis-moi, Moriarty, ta vie sexuelle.